Et nous avons constaté qu'avec le passage du flambeau de la paix, on constate de l'allégresse, de la joie au niveau de la population qui accompagne le flambeau de la paix. Et ça symbolise la cohésion. Et la cohésion des Burundais, des citadins, fait qu'il y a aussi un développement harmonieux. C'est un symbole de paix, c'est un symbole de cohésion sociale, c'est aussi un développement. Alors pour cette 13e édition, c'est pour moi une édition spéciale, étant donné que la jeunesse elle-même est venue me voir, voulant s'impliquer sérieusement dans la préparation de cette 13e édition. On reçoit le flambeau jeudi matin le 19, au niveau du nord, au gare du Nord, un peu plus haut, là sur le rond-point de Kamenge. Et puis on va passer à Buyenzi et on va construire, mettre des tôles sur les écoles de la communauté islamique. Et puis on va passer au lac Tanganyika pour détruire l'algue jacinthe d'eau qui détruit l'environnement et le lac. Après, on passera à Kanyosha, où on va mettre une idale sur une école de Kanyosha et Kofo 2. Mais dans l'après-midi, à partir de 17h, voilà, le concert, ce qu'on appelait le méga concert, va commencer. On aura des artistes, on aura des comédiens, on aura des chanteurs. Et je voudrais inviter tout le monde, notamment les associations, les confessions religieuses, les partis politiques, toute la population de la mairie pour qu'elle vienne assister à ce spectacle.